suis à Main-sur-Loire. Derrière moi se trouve l'historique château de Main-sur-Loire, véritable demeure des évêques d'Orléans qui date du XIIIe siècle. Et si aujourd'hui je suis là, c'est pour rencontrer le chevalier Gabriel pour une leçon particulière d'escrime médiévale. Attention, mettez vos armures, ça va faire mal. Et voici donc le fameux maître des lieux, le maître d'armes, le chevalier Gabriel. Comment ça va ? Bonjour Antoine, ravi de t'accueillir au château de Main-sur-Loire. Quand on dit la main de fer, c'est vraiment la main de fer. Donc là, vous avez en fait un joli gantelet typique de la fin du 15e siècle. D'accord. Et vous êtes dans la salle des gardes du château de Main-sur-Loire. Donc c'est ici qu'on va essayer de vous présenter une petite leçon alors, d'escrime médiévale. Je préfère parler d'arts martiaux historiques européens. Arts martiaux plutôt qu'escrime, ouais. Oui, tout simplement parce qu'en fait, c'est un ensemble de techniques qui n'a pas grand-chose à voir avec l'escrime classique. Et c'est plutôt cette approche qui était typique de la fin du 14e, 15e siècle, où on avait des techniques très sophistiquées qui n'ont rien à envier aux arts martiaux d'Extrême-Orient. La présentation qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on présente à nos visiteurs. On essaye de leur faire toucher l'histoire du doigt. C'est la démarche qu'on a ici au château de Main-sur-Loire, une muséologie à l'anglo-saxonne. On a des copies de pièces de musée. D'accord. Et elles sont là pour voir le poids réel d'une arme, pouvoir se faire à l'idée que c'est passablement plus léger et plus efficace que ce qu'on imagine. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le Moyen-Âge, j'imagine. Exactement. Et ce sont ces mythes contre lesquels on essaie de lutter. Et on va tenter en fait de laisser passer cette transmission du savoir de manière aussi ludique que possible pour que les gens repartent avec des connaissances mais sans s'être ennuyés. Ça n'a rien à voir avec un musée où on va avoir des armes accrochées au mur. Ici, on va pouvoir les manipuler et on va vous apprendre comment on les utilisait à l'époque. Donc franchement, si ce n'est pas une activité hyper originale faite pour un week-end pas comme les autres, je n'y connais plus rien. Gabriel, j'espère, m'a prévu une armure pour que le combat soit un tout petit peu à armes égales. Et on va essayer de comprendre un petit peu comment est-ce que les gens arrivaient à se mouvoir et finalement à se battre avec tout ce poids qui finalement n'est pas si lourd que ça. Exactement. Donc l'armure que j'ai prévue pour toi aujourd'hui, c'est une armure de coutillier. Donc elle est posée juste là. Tes vêtements du 21e siècle sont totalement inadaptés au port d'un harnois, tout simplement parce que la première chose que tu vas devoir endosser, c'est un doublet armant, un pourpoint armé. C'est un vêtement qui va te protéger des frottements de l'armure sur ta peau, ouais, et qui va également empêcher que les chocs qui sont en partie absorbés par les plates de l'armure ne soient transmis à travers l'épiderme et te brisent les os. Donc il est légèrement rembourré et ça va permettre en fait de diffuser l'énergie d'un choc qui te frapperait l'armure. Je pense que Gabriel m'a convaincu de mettre la protection à armure et l'armure. Donc attention, 3, 2, 1, transformation. Alors très honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me sens déjà vivre la vie d'un chevalier et ce pourpoint du Moyen-Âge me sied à merveille. Regardez, je suis en train de vivre mon rêve d'enfant de devenir un chevalier. Et c'est pour ça que cette émission, on a choisi de l'appeler un week-end pas comme les autres, parce que franchement, à chaque fois, c'est de la découverte, mais celle-ci, c'est topissime. On aura des armes relativement modestes, et bien évidemment, on aura également des armes relativement imposantes. Ah bah écoute. Donc, on va commencer probablement à la hache noble, parce que d'abord et avant tout, c'est une arme plutôt sympathique qui peut escouder, viscérer. Je me permets de te couper. Ce que j'aime bien, c'est que le premier terme que Gabriel arrive à dire en voyant ça, c'est une arme sympathique. Écoutez, mes amis téléspectateurs, je pense que je ne peux pas être plus proche d'un chevalier médiéval que maintenant. Mon adversaire est prêt, on va quand même lui serrer la main d'une manière loyale. Force et robustesse, toujours avec cette main de fer. Et maintenant, Antoine Dufeu n'existe plus, Antoine Dufeu n'est plus. Antoine Dufeu devient le chevalier du feu. On va commencer par adopter une garde. Tu vas avoir la queue de ton arme vers le visage de ton adversaire. On enchaîne des coups qui sont relativement violents. Tu vois la pointe qui est là. Ah oui, d'accord. Ça va servir effectivement à viser. Donc soit le visage, soit éventuellement d'autres axes. Tu joues beaucoup en fait avec cet axe-là. Et à partir du moment en fait où tu as l'occasion de placer, tu vois que là en fait je suis en avantage. Le coup de base, tu fais simplement un pas en avant et tu tends tes bras. D'accord ? D'accord. Allez. Et tu vas voir qu'on peut faire beaucoup de choses. Oh, regarde, garçon. Regarde bien, tu vois juste à fait. Ton regard a changé. Il a un regard qui a changé. Ah, c'est bon. Regarde comment ça fonctionne. Ouais. Tu vois la queue, au lieu de pointer sur ton visage, j'attire en fait le coup vers ma tête, je la baisse. D'accord. Tu attaques, j'arrive, je pousse, je frappe. J'ai tout fait pour préserver ton honneur.
Excusez-moi, je parlais avec un cousin qui a eu peu de chance sur un dernier combat contre les Anglois. Eh oui, les fameux Anglois. Il n'y avait pas la technique ni allemande ni italienne. Et il n'avait pas un prof comme toi. Donc le pauvre, regarde, il s'est retrouvé voilà, à vie dans une armure. Alors, deuxième étape de ma vie de chevalier. Après la lance, le saint du saint, le Graal. Donc tu as travaillé la hache noble. Maintenant, tu attaques l'épée. Oui. Alors, le Zornhold, c'est simple. Tu fais un grand pas en avant et tu tends les bras. Voilà. Et Zornhold. On recommence. Allez. Et Zornhold. Très bien. Encore une fois. Zornhold. Très bien. T'es prêt? Oui. Et Zornhold. J'arrive, je bloque. Et là, il y a beaucoup de choses que je peux faire. De loin, ma préférée, je vais saisir son coude. Je vais retourner. Ah non, 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 pas ici. Au niveau des couillasses. Oh là là. Je suis en train de lui casser le coude et de le planter au niveau des couillasses. Je vous le garantis, il est bien au niveau des couillasses. Je te rends tout ça et je te souhaite forcément le meilleur et surtout de continuer à avoir autant de belle énergie quand tu parles aux gens. Parce que au-delà du poids, c'est quand même très physique, mais comme tu le présentes avec beaucoup d'humour et beaucoup de sourire, on a envie de se battre jusqu'au bout. Ravi que ça t'ait plu. Force et robustesse. Ah, j'en étais sûr.